Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Aujourd'hui, c'est toujours pas moi qui fais du Diamond Painting. Aujourd'hui, c'est toujours Chouchou. Oui, je suis feignante en ce moment sur le Diamond Painting. Non, c'est pas parce que je suis feignante, c'est que là, en ce moment, je suis en train de terminer un pull au tricot et je veux absolument le terminer parce que j'en ai marre. Ça fait un moment que je suis dessus et là je suis sur les dernières lignes du pull et je veux absolument le terminer. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas en train de faire du DP, mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas. Faites pas attention là à l'horloge, les piles sont nazes, donc ce n'est pas la bonne heure. Voilà, il faut changer les piles. voilà, j'ai changé un peu de cadre, je suis dans ma pièce, voilà. Oups, voyez mon petit cerf là, c'était un DIY d'action il y a 3 ans je crois ça, voilà, donc j'ai changé un peu parce que j'ai remarqué que quand je me mettais à ma table, oups, donc dans ce sens là, vous aviez toute ma pile de carton qui était là. C'était pas mirobolant comme vue. D'ailleurs, il va falloir que je les coupe, que je les plie et que je les mette sous le lit. Parce que je garde certains cartons bah, quand il y a des choses à envoyer ou à ranger. Ou... Voilà, bon, je pense qu'on est tous, on essaye de garder 2-3 cartons. Mais là, moi, j'en ai un peu plus que 2-3. Il faut que je range ce petit coin qui n'est pas beau du tout. Surtout quand je fais des vidéos. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, je ne fais pas les vidéos tout nickel, le petit rideau, les petites lumières qui clignotent et tout. Voilà. Je ne fais pas les vidéos cucu. Non, je suis vilaine. Non, on fait les vidéos comme on veut. Mais je veux dire, moi, je les fais à l'arrache. Nature, nature, nature. Voilà, et je sais que beaucoup d'entre vous aiment comment je fais mes vidéos. Et bien, je continue à les faire comme ça. Mais enfin, bon, voir quand même une pile de carton, là, c'est pas top. Quand j'ai vu ma dernière vidéo, j'ai regardé, je fais, oh là, ma pile de carton, c'est vraiment pas top. Non, là, ça fait moche. Là, franchement, ça fait moche. On m'a pas encore fait la réflexion, mais je me la suis faite à moi-même. J'ai dit... C'est pas beau. Donc là, j'ai changé un peu de vue. Je dis, bon. Bon, allez, on parle. Donc là, Chouchou est à recommencer un nouveau DP. Oui, je vous dis, il est à fond en ce moment dedans. Alors, la boutique. Ça y est, j'ai oublié le nom. Je vous le mets là. Alors là, il est un peu dubitatif. Waouh, oui, j'ai retrouvé ce mot-là. il a eu un peu de mal au démarrage parce que, bon, comme moi, avec mon grand DP là, que j'ai eu par Sylvie, ma copine, au niveau de l'impression, il y a des lettres qui sont, des sigles qui sont 1, 2, 3, imprimés en blanc. Avec des couleurs claires. Et ça, c'est pas top. Il avait du mal à le voir aussi, bah, comme moi sur mon grand DP. Donc, il y avait un petit défaut au démarrage pour ça. Bon, là, ça y est, il est parti, il arrive. Mais c'est vrai qu'au début, il a eu du mal. C'est vrai que quand vous avez des symboles qui sont imprimés blancs et qui sont mis sur un fond de couleur clair, c'est compliqué à voir. On a plus 20 ans en plus, hein, donc lui aussi porte des lunettes. Bon, il a une meilleure vue que moi, hein, donc ça va. Mais voilà. Là, ça y est, il est bien démarré. Donc, le DP, vous allez voir, c'est avec les petits anges. Je vous l'avais déjà présenté. Là, il a déjà fait une bonne partie. Enfin, il est en train de faire, il est dessus, là, pendant que je vous parle. Il est en train de faire la deuxième partie, déjà. Mais
sinon, niveau perles, tout ça, il a dit, il n'y a pas de problème, niveau de colle, tout, il n'y a aucun problème. C'est juste ce petit souci des symboles imprimés blancs sur la couleur claire. Alors, ceux qui fabriquent ces DP devraient faire le contraire. Quand ils impriment les symboles blancs, ils devraient mettre une couleur foncée en dessous. Voilà. Donc, s'il y a des, y en a qui passent par ici, qui impriment les DP, pensez à ça. donc, voilà. Donc, là, vous allez pouvoir visionner sa première partie. Je pense que je vais faire, donc là, une partie pour son démarrage et je ferai une partie, une vidéo à la fin, puisque c'est un petit DP, c'est un 40-30 avec les bordures blanches. Donc, sans les bordures, il avait calculé, il me l'avait dit, ça doit être du 25-28 sur du 30-33, un truc comme ça, je crois. je ne sais plus exactement la taille, mais voilà. Donc, c'est un DP qui va aller très vite à faire encore. Voilà. Et on verra du coup le résultat si, s'il est bien. On le verra à la fin, ça. On ne peut pas le voir maintenant. Donc, voilà. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Petit pouce, un petit pouce. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dites-moi si ça vous plaît que je vous montre les DP que Chouchou fait. Si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi. Sinon, j'arrêterai de les montrer. Mais j'ai déjà eu des commentaires positifs pour l'instant. Mais on ne sait jamais s'il y en a que ça leur plaît pas de voir ce que Chouchou... Alors, pour ceux qui connaissent pas, Chouchou, c'est mon mari. Hein. J'ai oublié de le dire. Mais la plupart connaissent. Si ça ne vous plaît pas de voir les DP que Chouchou fait, dites-le moi aussi. Mais bon, je ne pense pas qu'il va y avoir du négatif. On verra. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement. Donc, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Gros bisous. Bon visionnage.
Thank you.